L'exercice suivant va avoir comme objectif de travailler l'équilibre, mais de façon dynamique. Donc on va avoir des déplacements vers l'avant, mais aussi vers l'arrière. On va tout d'abord commencer par le niveau de difficulté le plus facile. Pour ceci, on aura besoin d'une chaise, comme depuis le début de la séance. Et si vous avez, vous pouvez prendre un bâton de balai, une canne, ou ce que vous avez, ce qui vous permettra de vous rééquilibrer en cas de perte d'équilibre. D'accord ? Donc, pour cet exercice, on va commencer en position assise. D'accord ? On commence en position assise, on garde bien son dos droit. Le bâton va vraiment vous servir à vous rééquilibrer. Donc là, le premier mouvement qu'on va faire, c'est se lever de la chaise. Attention à bien vous lever en utilisant vos cuisses et non les lombaires, d'accord ? Pour protéger votre dos. Donc là, on va se lever simplement. On peut prendre appui sur le bâton et on va se lever de la chaise. Voilà, très bien. Ensuite, on garde le dos bien droit. On essaye, si on a par exemple du carrelage ou là, comme ici, du parquet, de prendre une ligne au sol, d'accord ? On met la ligne entre nos deux appuis. L'objectif, on va garder un point fixe devant soi et on va avancer. Attention là sur le niveau de difficulté le plus facile, on garde l'amplitude du mouvement qu'on a l'habitude de faire. Donc on va avancer son pied et après on va avancer l'autre. Et on garde un point fixe devant. Voilà, on peut faire environ 4 pas vers l'avant. Pour ceux qui se sentent, vous pouvez partir en arrière. Pour les autres, on peut faire un demi-tour et on repart vers l'avant ou partir vers l'arrière. Hop, le demi-tour et là pareil, on peut se rasseoir.